Salut tout le monde, Fort Liberté. Je suis bien content pour moi avec vous aujourd'hui. Moi-même, c'est Netachil, directeur général de l'Hispan Nord. Et que je viens ici, c'est pour être capable de faire dupliquer même ça que j'ai commencé avec Fort Saint-Joseph Nord-Caplan. C'est pour ça que je viens ici, pour être capable de faire une première fois, une visite des lieux, pour être capable de voir comment même ça nous fait dans Saint-Joseph, Fort Saint-Joseph au Caplan. Est-ce que nous ne pouvons pas Félicia, pour qu'on se donne mise en valeur pour dans Fort Saint-Joseph et par la suite dans l'autre fortification qui gagne. Vous avez visité Fort Saint-Joseph et qui constat fait du fort? Bon, constat que je fais des sous fort là, que j'ai déjà fait constat ça, c'est que c'est dans la période de l'histoire que nous gagnons. Ça veut dire que dans la période française là, que nous avons un paquet de fortifications sur toute côte là. Dans la région noire là. Mais depuis bien longtemps que force a été délaissé, force a été abandonné et que pas des travaux vraiment des travaux sérieux vraiment qui fait sur lui. Et ceci avec des stratégies que n'a pas mettre sous place pour nous capable comment nous capable faire pour nous commencer travail sur toute foyer qui gagne dans région noire. Exactement, c'est même gens nous t'ai fait, j'aime se dire là nous n'a pas dupliquer ça que nous t'ai fait dans au Cap dans Fort Saint-Joseph au Cap-Haïtien. Fort Saint-Joseph au Cap-Haïtien, tant comme t'as dit là, c'est deux groupes, deux courants d'idées qui te gagnent. Côté que moi, je te gagne l'idée PAM et je te voulais faire fortification, ça me devait travailler, mais l'État haïtien, c'est que l'institution, hein, n'a pas gagné moyen vraiment pour être capable de faire tout ça. Et ceci avec l'aide de la population, je parle de la population du secteur privé, hein, l'idée prend ça en charge et le groupe Fatima. Et qui était financé pour là jusqu'à 90% et que yo même yo travail comme si yo même yo financé pour nous même notre travail et que pour nous capable dire qu'on y a là force à c'est une réussite c'est un projet pilote que n'a bat pour nous capable faire gens que nous t'ai fait avec groupe Fatima groupe Fatima t'ai fait ensemble avec Isma nous souhaiter que gain d'autres instances ici bah qu'on est secteur privé ici diaspora ici puis capable mettre main pour nous capable faire une mise en valeur de richesses que nous gagnons dans la région nord-est. Là. Après, vous êtes là, prochaine étape, là, que vous allez. Non, tant que moi-même, c'est des propositions. Tant que, par exemple, depuis bien des temps, m'a fait des propositions pour la mise en valeur des fortifications ou bien des sites historiques. Premièrement, nous commençons le travail sur Vertière, que nous n'avons pas encore fini vraiment. Et pour, nous avons fait une proposition. Nous avons fait une proposition sur Barrière Bouteille, rentrée sud de la ville du Cap-Haïtien. Et que malheureusement, et nous n'avons pas abouti vraiment parce qu'il y a plusieurs, il y a des contraintes qui font que nous n'avons pas travaillé sur les comme ça. À cause des délocalisation de plusieurs de maisons qui sont dans la zone qui fait que nous pas qu'à faire et que pendant que nous fait des propositions pendant que nous font proposition Fort Saint-Joseph et que ça marchait très bien et que c'est ça qui fait que n'a fait d'autres propositions tant que par exemple proposition sur Fort Picolet qui est au Cap et avec Fort Saint-Joseph qui ici a et de temps en temps n'a marché pour nous capable et arriver, joindre, arriver, faire une mise en valeur de toute fortification ça y est, et même si avec le soutien, avec l'aide du secteur privé et de la population en général. Bon, ça veut dire que tant que j'aime des sauts même j'aime, parce que de manière légale, nous supposons faire avec d'autres institutions et de l'État, et puis d'autant plus, avec l'aide de la population dans nord-est là plus particulièrement dans Fort Liberté pour nous commencer à faire mais but visite là c'est pour nous capable faire des une proposition d'aménagement sur Fort Saint-Joseph ce que nous avons commencé mais c'est première visite ouais, mais visite ça hein, son visite qui est entrée dans le cadre pour nous capable commencer travail sur la proposition et d'aménagement de Fort Saint-Joseph dans Fort Liberté et que nous avons toujours retourné pour nous capable faire des mises en place pour nous capable commencer travail et commencer travail là avec l'aide de la population et dans Fort Liberté. Pour tout le monde, l'espoir était perdu pour Fort Saint-Joseph. Est-ce que vous avez un cas d'espoir avec Zip comme directeur général d'histoire? Gain espoir tout autant nous-mêmes nous mettons main parce que
le fait que Ispan n'a pas de moyens, Ispan pas un budget vraiment qui répond à pour faire le travail ça yo, mais par contre avec l'aide de la population, nous pensons que nous avons privé. Parce que tout le monde a souffert, mais nous-mêmes, nous venons, penser que et nous venons pour nous capables de faire comme si des travaux, venir faire études, là, pour une étude pour nous faire une mise en valeur. Dès que mise en valeur proposition est faite, nous pensons que le monde fait liberté, il est capable de commencer à travailler sur ça pour être capable de faire une revue à tourner en réalité. Okay. Nous-mêmes, notre travail que nous avons pour nous faire, ça parce que les rentrer comme si c'est son travail global, mais nous-mêmes même noter ouais que pour nous capable faire une sorte de une délimitation, une clôture pour capable empêcher n'importe monde qui leur peut entrer dans fort là. Mais tant que moi-même c'est matin là que et que yo commencé expliquer ça, mais même bien avant nous t'ai gagné pour nous capable faire une proposition et à l'intérieur nous cap toujours fourrer comme si n'a toujours fourrer comme si et ça qui fait là et barrage là parce que n'importe monde pas rentrer comme si n'importe qui gens dans fort là, mais par contre faut dans proposition que nous gagne pour nous faire nous cap toujours rentrer là-dedans mais avec et comme si faut que nous respecter avec le message à toute population directeur monde faut liberté que même temps mais pour nous capable comme si travail gagne une très bonne relation avec monde faut liberté pour nous capable arriver concrétiser rêve nous parce que rêve moi-même c'est pour mon travail faire une mise en valeur de toute fortification qui gagne dans la région nord là monde population et faut liberté l'étape souffrir l'absouffrir parce que il gagne toute richesse ça yo patrimoine et ça yo que yo pas jamais fait grand chose là-dedans même penser que avec l'aide de la population n'a pas arrivé quand même. Merci beaucoup.